que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Jean-Christophe, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites. Et conformez-vous au mystère de la croix de Jésus.
Au don total d'un homme pour le Christ, nous sommes invités à répondre à un don généreux au moment de la quête. L'intégralité de la quête servira à couvrir, j'espère, une bonne partie des frais d'organisation de cette célébration. On dit que l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient beaucoup, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et il montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus beau des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Renaud, l'ensemble des évêques, notre frère Jean-Christophe, qui vient d'être ordonné prêtre, les autres prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Monique Bonnemain et les défunts de la famille Bonnemain. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas fait de tout ce soir, mais dis seulement une parole. Pour recevoir le corps sacré du Seigneur, il y aura plusieurs points dans la cathédrale. D'abord, les personnes qui sont dans les transepts nord et sud, la communion sera donnée dans les transepts, donc ne bougez pas. Et puis, quatre prêtres donneront le corps du Christ au milieu de la nef, donc vous avancerez par les petites allées et par l'allée centrale, et quatre prêtres ou évêques donneront devant. Voilà, vous ne bougez pas avant que les prêtres ou l'évêque soient en place pour la communion. Merci.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est le moment des remerciements. Alors, après l'action de grâce que nous venons de célébrer, je souhaite adresser quelques autres remerciements, naturellement. En premier lieu, à vous, Excellence, un simple merci pour la confiance que vous m'accordez. Je sais que vous avez beaucoup prié pour moi. Continuez. Vous avez parfois pu mesurer, comme je suis un picard à la tête dure, alors je tiens donc à vous assurer de ma loyauté et vous dire mon union dans la prière. Je remercie également les prêtres venus nombreux. En premier lieu, je tiens à saluer les prêtres du diocèse, présents ou unis par la prière. Quelques-uns ont été empêchés de venir jusqu'à nous. Je remercie également les prêtres en mission dans notre Église. Un grand merci à ceux qui m'ont accompagné au long de ces années, en particulier les curés de mes paroisses d'insertion, les abbés Griveaux et Génin. Enfin, je tiens à remercier les prêtres qui ont servi dans ma paroisse d'origine, l'abbé Xavier Giver et l'abbé Marek Pochadlik, qui m'ont revêtu tout à l'heure. Je salue particulièrement le séminaire des Carmes et les séminaristes et formateurs, venus aussi nombreux pour m'entourer après ces quelques années de formation. Je crois qu'on dit habituellement deux fois du bien d'un prêtre dans sa vie, à
à son ordination et à son enterrement. Alors je remercie Monsieur le Supérieur d'avoir œuvré pour cette première partie dans un discours qui était plutôt hagiographique. Un tout grand merci aussi aux paroissiens et aux diocésains qui se sont investis dans l'organisation de cette célébration. Merci aux sacristains. Merci particulièrement à Isabelle Fontaine, qui sait déjà l'estime que je porte à son travail musical. Merci à l'abbé Thierry Gard, à ses collaborateurs. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la beauté de cette liturgie et aux aspects matériels de ce grand rassemblement. Je voudrais maintenant saluer quelques groupes particuliers. Alors, je voudrais saluer les paroissiens de ma paroisse d'origine, Notre-Dame de la Velle. Je sais qu'ils sont venus nombreux. Les paroissiens de Vals-et-Coteaux-Saint-Martin, c'est la paroisse de Charlie. Les paroissiens de Saint-Germain-de-Charonne à Paris. Les paroissiens de Notre-Dame-de-Lorette à Paris aussi. Les jeunes de l'ACE de Chauny et de Saint-Quentin, que je remercie pour leurs lettres. Je pense qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont au fond, d'accord, bon, ok. Les participants de Light and Joy, j'ai eu beaucoup de joie à venir vous saluer hier soir. La chorale qui a vraiment fait un travail exceptionnel. L'hospitalité diocésaine de Lourdes qui s'est déplacée en masse, hospitaliers, soignants, personnes malades. Et d'ailleurs, je vous invite tous à vous engager comme hospitalier parce que c'est une expérience formidable que j'ai fait régulièrement et que, eh bien, c'est dans quelques semaines, c'est du 9 au 14. Et donc, je vous engage à le faire, 9-14 juillet, voilà. Dans un tout... Dans un tout autre ordre, je remercie vivement tous ceux qui prient pour que dans notre diocèse, des vocations se lèvent. Soyez certains de mon soutien. Je m'adresse aussi à ceux qui se posent la question d'une vocation particulière. Alors, loin de moi de l'idée de vous faire un cours de théologie sur la vocation, et je voudrais juste vous dire quelques mots, confiance. Voyez comme il est fidèle, celui qui vous appelle. Merci également à ceux qui nous sont unis par la prière ou par Internet depuis la retransmission. Je pense particulièrement aux prêtres et aux évêques qui sont associés à notre célébration. Et on célébrait ce matin ou cet après-midi la messe à mon intention et à celle du diocèse. Enfin, je salue mes proches, familles et amis, parfois venus de loin pour cette occasion. Grand merci à tous. Priez pour moi. Nous ne nous séparerons pas sans prolonger ce moment de joie par le traditionnel verre de l'amitié sur le parvis, tous conviés à la vôtre. Après, la parole est à Monseigneur, ne vous inquiétez pas. À l'issue de la messe, ceux qui voudront recevoir la bénédiction de celui qui m'est maintenant convenu d'appeler Monsieur l'abbé Bonnemain, il donnera la bénédiction sous le porche de la cathédrale, donc à l'extérieur. Il y a aussi des boîtes qui sont destinées à recueillir vos dons pour l'abbé Bonnemain, pour qu'il puisse s'installer, pas dans une honnête retirade, mais s'installer comme jeune prêtre. Voilà. Donc il y aura des boîtes qui seront au fond. Vous pouvez glisser votre offrande. J'exprime un remerciement tout particulièrement pour le maire de Soissons, M. Crémont. Merci beaucoup de votre présence parce que je sais que c'est une journée chargée du côté de Saint-Jean-des-Vignes. Vraiment, je suis très touché que vous soyez venu participer et j'aimerais que vous puissiez adresser mon merci à tous les services de la municipalité qui ont vraiment fortement contribué à soutenir l'organisation de cette journée, en particulier du rassemblement sur le parvis. Grand merci. Voilà, je vais maintenant annoncer la mission que reçoit le père Jean-Christophe Bonnemain. Je le nomme
En fait, c'est un prolongement. Je le nomme en mission d'études à l'Institut catholique de Paris pour poursuivre ce master qu'il a commencé il y a un an et en ministère dominical sur la paroisse Notre-Dame-de-Lorette à Paris 9e où il réside déjà depuis un an et encore pour un an avant d'arriver dans l'Aisne. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que le séminariste Arnaud Boré a été appelé à l'ordination diaconale. Il est au séminaire de Lille et j'aurai la joie de l'ordonner diacre en la cathédrale de Laon le dimanche 11 novembre à 15h. Vous y êtes convaincus. Ma dernière annonce, pour tous ceux d'entre vous qui étaient présents le lundi de Pentecôte, vous avez su que l'abbé Alain Bosquet, vicaire général depuis 18 ans, dépose le tablier. Et je lui ai dit toute la reconnaissance, l'estime que j'ai, parce que c'est lui qui m'a introduit et qui m'a initié dans le diocèse de Soissons. Et du coup, j'ai la joie de vous annoncer que j'ai nommé un nouveau vicaire général en la personne de l'abbé Jean-Pierre Macamba, à qui je demande de venir parce que, évidemment, tout le monde ne le connaît pas. C'est un prêtre fidéidonum du diocèse de Kinshasa. C'est la bénédiction finale, vous pourrez chanter Amen. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Jean-Christophe, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Fasse de vous au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité et un fidèle ministre de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous un vrai pasteur chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous.